des Sport News. Disney des Sport News a rencontré Laurent Guyot, un fou de kite, éternel joueur avec le vent sur neige, mer et terre. Il est pro rider en snow kite, en kitesurf et aussi en land kite, une pratique dont il va nous parler aujourd'hui. Donc je m'appelle Laurent Guyot, alias Lolo BSD, et je suis champion de France et champion d'Europe de land kite freestyle. Alors ici on est à Palavas-les-Flots, à côté de Montpellier. C'est chez moi et il y a plein de spots de kitesurf et de land kite. Mais qu'est-ce que c'est alors le land kite ? Alors le land kite, ça se pratique sur la terre en fait. Donc ça peut être sur la plage à marée basse ou sur des plaines, sur de l'herbe. Pour le land kite, c'est comme le kitesurf et snow kite. Il faut donc un kite, un harnais et une board. Le mountain board, c'est un peu plus gros qu'un skate. Et on a des pneus de 8 pouces. Donc c'est des pneus qui permettent de rouler un peu partout. Et des straps dans lesquels on met nos pieds. Comme ça, on est bien attaché à la board, on prend la vitesse, et quand on fait nos sauts, bah, la board reste collée aux pieds. Après, on peut aussi enlever la board des pieds, parfois, pour faire des board-off, ce qu'on appelle des board-off. On fait tourner la planche en l'air et on la remet sous les pieds. C'est un mix entre le skate et le snowboard. Quelles sont les différentes disciplines de ce sport ? En land kite, il y a 3 disciplines. Donc le freestyle, c'est tout ce qui est acrobatie, les sauts, les rotations, les big airs. Ensuite, il y a la course longue distance. Donc c'est un parcours de plusieurs kilomètres en général. C'est une course, il y a plusieurs riders et c'est le premier arrivé qui a gagné. Et ensuite, il y a la speed, donc la vitesse. C'est tout simplement sur un parcours un record de vitesse. Alors moi, ce que je préfère, c'est le freestyle. Le freestyle, c'est vraiment ma discipline favorite. Parce que j'adore sauter, aller haut, faire des tricks en l'air et tout. Et comment on peut commencer ? Alors le land kite, on peut commencer à en faire à peu près à 6 ans. Avec des petites ailes de traction. On apprend à gérer la voile, à connaître le vent. Et comme dans tous les sports de ride... C'est quand même assez important d'avoir une bonne hygiène de vie. Donc bien manger, bien s'hydrater pendant les sessions, c'est important. Voilà, pour être en forme et envoyer des tricks encore plus forts, quoi. Merci Laurent, et n'hésitez pas à vous renseigner dans les écoles près de chez vous pour vous initier. Disney XD Sport News continue sur disneyxd.fr. En attendant, n'oubliez pas de manger sain et de faire un max de sport.